Mes chers amis, et c'est un privilège et aussi un sujet que on pourra les traiter, c'est pour parler avec nous de l'opposition haïtienne. Maintenant, à travers traitement ça, étude ça, analyse ça, on va essayer de mettre en évidence quelques éléments qui, je ne veux dire, constituent une véritable entrave à proposition haïtienne arriver à coucher des résultats qui ont été capables d'escompter. Et ceci a pas gagné des conséquences néfastes auprès de la population haïtienne qui, je ne veux dire, pour sentir que yo pas vraiment retrouvé yo dans travail avec la bataille d'opposition et ceci va laisser bien entendu une marge aussi grand de population pour le gouvernement c'est-à-dire régime PHTK qui est en place là puis yo capable bien entendu capable et mettre en place politique yo et le plus souvent si nous regardons bien, il y a un glissement qui a fait vers un régime autoritariste, un régime autoritaire, un régime qui a incarné une forme de dictature et de façon souple, qui sûr que tôt ou tard a privé dans la dictature. Ça. Maintenant, il faut comprendre que, mes chers amis, et nous-mêmes, Captain là, l'important pour nous commencer par identifier les problèmes. Tout d'abord, opposition haïtienne en soi. On essaie de parler clair sur ça qui est opposition haïtienne. Opposition haïtienne, normalement, nous capable de représenter l'issue, ça nous est caractérisé, tout le monde, aux catégories d'individus, bien entendu, qui ont des prises de position par rapport aux politiques et régimes qui au pouvoir là. Maintenant, nous sommes capables de parler de opposition politique, mais à l'intérieur de l'opposition politique, ça, nous sommes capables de dire, bien entendu, le concept même d'opposition politique, lui, intégrer un ensemble de, lui, englober un ensemble de fractions qui fait que, qui peuvent expliquer toute série de divisions et série de fragmentation qui existait à l'intérieur de l'opposition, c'est-à-dire que l'incapacité pour l'opposition construit ce qu'on appelle un degré d'homogénéité à l'intérieur de lui-même par rapport, bien entendu, avec objectif que vous battez et méthode à utiliser pour vos batailles, technique que vous gagnez. Nous capables autour de nan problème ça qui posait, hein, problème d'homogénéité ça. Un problème de vision commune, problème de conception, de méthodologie, d'approche et qui était à l'intérieur de l'opposition, rendre ni difficile pour l'opposition accoucher un résultat qui consiste bien entendu à voyer régime politique ça, régime PHTK aller. Maintenant, nous pouvons comprendre que c'est sous opposition ça même, c'est sous division ça même, sous fragmentation ça même que l'opposition politique là qu'on est aujourd'hui, hein, qui fait que non seulement en termes de méthodologie, en termes de vision, en termes de conception, en termes d'approche, en termes de différents discours qui ont circulé, côté que tout le monde a un niveau de fragmentation qui existait même au niveau du discours qui a véhiculé par l'opposition, nous sommes capables de dire que aujourd'hui, hein, le régime politique en place, les conseillers de Jovenel Moïse, ils ont profité bien entendu de cet espace que cadeau ça que l'opposition baille, pour construire tout un arsenal d'argumentation, tout un arsenal de discours, pour contrecarrer, bien entendu, et déstabiliser l'opposition en tant que telle. Maintenant, et Fon dit tout que là, on parle de opposition politique en Haïti. Il ne s'agit pas seulement de les partis politiques qui, ensemble, camper face avec le régime en place, c'est-à-dire les différents partis politiques. Et nous parlons, ouais, si nous prenons partis politiques qui forment l'opposition, on a parlé de plateformes politiques et plateformes qui existaient en Haïti, là, par rapport avec prise de position, yo, nous gagnons opposition institutionnelle, là, qui c'est les quatre sénateurs ajoutés avec d'autres, par contre, qui viennent là dernier, et nous gagnons aussi opposition et société.
société civile, hein, bien entendu, côté que nous avons des organisations et privées, organisations et socio-économiques, des organisations et ONG, des organisations à caractère humanitaire et jeunesse aussi, qui retrouvent à l'intérieur d'une structure commune côté à faire valoir prise de position yo, par rapport avec, bien entendu, la politique gouvernementale. Maintenant, il faut comprendre que là, tentative qui était faite par l'opposition tout récemment dans Mariotte, côté que l'ensemble des représentants des différents secteurs, non seulement de la vie nationale, de l'opposition, de la société civile, mais aussi, y compris de la classe politique qui constitue ça, l'opposition, t'es venu obligé réunir au Chita pour être capable de jeûner un accord. Et à partir de l'accord, ça peut être une feuille de route pour être capable de faire valoir une position commune, une position côté que qui documentait, qui a un document qui dit voilà, mais ça, opposition, hein, opposition, société a représenté, mais ça y a voulu par rapport à demander ou exiger le départ, bien entendu, de Jovenel Moïse, et yo essayer ouais ensemble quelles sont les conditions qui pourraient permettre à ce que yo arrive mettre en place assurer transition ça pour permettre à ce que et après Jovenel Moïse nous capables venir pour aboutir avec un nouveau système, un nouveau régime politique qui pourrait permettre améliorer les conditions de vie de la population ici. Maintenant, il faut essayer de comprendre deux bagages qui majeurs qui peuvent et opposition jeunes aujourd'hui pas capable résultat. Premier bagage qui posait, c'est le problème de fragmentation proposition. Fragmentation, ça l'est manifesté sur différents niveaux. Et premier niveau, nous sommes capables de dire, c'est au niveau de leadership. Leadership proposition, un hein, gros problème, une grosse fragmentation qui fait au niveau de leadership proposition. C'est-à-dire, pourquoi qu'il y a une forme de leadership collégial, pas qu'il y a un leadership côté que tout le monde est d'accord, bien entendu, pour être ensemble au niveau des différents acteurs de l'opposition, pour être capable de dire, bon, voilà, mais ça a nos besoins, mais ça nous considère comme leader en dedans opposition, mais nous t'en disons, c'est le mot qu'a utilisé l'opposition plurielle, opposition 10, opposition date, c'est-à-dire cette incapacité à promouvoir ou bien à mettre en évidence, à mettre en place une structure qui représentait et ça noté qui incarne leadership mouvement opposition, ça a déjà un premier élément qui constitue une véritable carence par rapport, bien entendu, avec une bataille que l'opposition a menée. Deuxième élément que nous capables de considérer, c'est une question de méfiance. Maintenant, raison qui fait que Nego Baka arrive à coucher à ça nourrir les leadership ça leadership c'est parce que mon problème de méfiance à l'intérieur même de l'opposition, c'est-à-dire cette méfiance pour aller dans le sens qui consisterait bien entendu à susciter la caille et chaque grain d'opposition et chaque acteur en dedans opposition, c'est-à-dire cette volonté à pouvoir contrecarrer l'autre et nous capables de voir ça, comment que discours y aura véhiculé et l'ipral méfiance, ça pourra le véhiculer, pourra le refléter à travers les différentes prises de position et les différents discours que chaque acteur en dedans opposition plurielle ça a dit. Par exemple, si nous regardons bien, nous avons ouais, pendant un certain nombre de temps au cours de mouvement, il y a des droites qui pourraient plonger des droites sur éléments, comment il s'appelle, Maurice Jean-Charles, qui dit qu'à chaque fois que mouvement, opposition, un mouvement populaire arrive, non, propre et régime n'a allé, louait que Maurice Jean-Charles toujours paraît avec un bagage pour le casser mouvement. Est-ce que ça y a dit, hein, bien entendu, yo, est-ce que c'est pas yon allégation ou bien yon accusation qui pas fondée, mais est-ce que le constat qui est fait par rapport avec le comportement politique, le comportement de leader et Petit Dessalines, est-ce que comportement ça a eu reproché, monsieur, est-ce que vraiment l'y fondé sur des faits? Est-ce que nous capables de dire, bien entendu, à partir de constat que nous faisons, il s'avérait vrai que Jean, ça a reproché Maurice Jean-Charles, c'est ça. Est-ce que Maurice Jean-Charles lui-même, à partir de discours que la prône, tout par une prise de position pâle, il n'y a pas qu'à faire valoir pour position pâle par rapport avec ça et reproché. Déjà, ça veut montrer qu'au niveau de fragmentation qui existait et à l'intérieur, bien entendu, de mouvement ça. Et d'autre part, ça expliquait, bien entendu, l'incapacité pour les gars arriver chita, mettre tête
ensemble, l'un seulement les abaille plus de position yo à travers la presse, les a fait communication, mais d'autant plus par rapport avec un problème de représentativité. Bon, l'autre élément n'a pas entré là-dedans qui posait plus de problèmes toujours dans condition ça. C'est ça, nous relais et représentativité. Alors, il y a un problème de représentativité. Maintenant, on a parlé de représentativité. Nous parlons que et différentes décisions qui prennent au niveau de une fraction dans l'opposition, ça nous est capable de briller l'opposition qui était plus active là. Et nous voyons que tout ça est arrivé à coucher toujours abouti à échec. Et premier constat à faire, d'après le recueil, on a mis en place une commission qui chargeait bien sûr pour assurer, entrer en contact avec les différents acteurs dans la société pour être capable d'accoucher un gouvernement de transition et pour choisir un président. Maintenant, il est vrai que, les Nabgades, nous n'attendons pas les deux. Groupe ça, de commission ça encore, la raison pour laquelle c'est que commission, j'en déforme et a été victime de ce qu'on appelle non pour représentativité. Pour quelle raison? Il y a des individus que ils ont été choisis en dedans et commission ça, ils ont mis en dedans commission ça, que société a pas retrouvé là-dedans. Donc, partie dans la société qui pas retrouvé dans l'individu ça, parce que ce sont des individus qui ont des passés peut-être qui troublants, qui suspicieux de passé. So, basically, ils ont considéré que ces individus, par rapport avec le niveau de bataille que nous démenons, hein, ces individus-là, bien entendu, ils ont constitué un véritable obstacle au départ, parce que ils n'ont pas joui de légitimité de que ils ont supposé gagner pour ils ont représenté le peuple-là, ou bien représenter une société dans la bataille, ça va le mener. Des fois, nous parlons que c'était une initiative, nous étions capables de qualifier de monnaie, pour quelle raison? Pour la simple bonne raison, parce que y a un problème de représentativité qui posait, y a un problème de légitimité qui posait, et problème de légitimité, ça non seulement c'est par rapport au capable de prendre un background qui fait partie, qui déjà fait partie du système, non? Mais d'autant plus que parce que il y a un pile monde tout en dedans société haïtienne qui estime que journée jodi en conseil de monde choisi au mettre dans commission ça qui vraiment c'est eux même tout yo fait partie de problème là, c'est-à-dire que ou pas qu'à prendre des monde qui déjà fait partie d'un problème pour mettre yo comme solution avec même problème que yo à l'origine de lui-même là, c'est-à-dire que là un problème méthodologique qui posé. D'autant plus gayon l'autre problème qui soulevé par rapport avec représentativité. À nous capables que gon travail de li problème ça li dû au fait que gayon toujours gen cette tentative à rendre tout bagayo kembe tout bagayo dans capital là. C'est-à-dire que nous pral que les différents départements du pays yo pas vraiment représenté à l'intérieur des structures de l'opposition qui pas l'exprimer yo toute commission ça qui forme ya nous parlons que et gen des départements yo pas fait valoir pour prise de décision yo pas voyer représentant yo à l'intérieur des structures ça yo qui fait que journée jodiant discours qui gagne et bataille politique qui a mené son bataille seulement qui retrouvé à l'intérieur de yon capital là, c'est celle la capital là qui est une sorte de congestion de bataille là au niveau de la capitale d'Haïti. C'est-à-dire que toute bagaille a fait seulement n'importe où prince, port au prince. Ceci est dû au fait que toujours un problème de décentralisation et de déconcentration, bien entendu, qui posait. Et ça a vu une cause en revanche, il y a un problème de représentativité à travers l'ensemble des prises de décisions qu'on prend à l'intérieur de l'opposition et au niveau de l'opposition et aussi à l'intérieur des ensembles de structures que Negar essaie de mettre en place pour capable aller défendre l'intérêt de la population haïtienne. Maintenant, en matière d'approche, et il y a un bagage qui touche moi, c'est que, et m'a essayé de toucher là, mais non, c'est que pour nous comprendre bien, un gros problème de méthodologie qui posait au niveau de l'opposition, qui pourrait le faire que chaque négo, chaque faction, il y a beaucoup d'accord sur une méthode pour la bataille. Ceci étant dit, il y a des qui estiment que, et il y a des méthodes, des techniques
de bataille que nèg yo utilisé que yo pas adhéré avec, c'est-à-dire que à l'intérieur même de l'opposition haïtienne non pas avec le gouvernement nèg yo pas fin d'accord sur technique sur méthode de bataille. Par exemple, il y a monde qui estime que ami yo même fait partie de l'opposition, yo dit bon bien que nous fait partie de l'opposition mais nous pas d'accord avec question barricade bloquer pays l'or activité réduite, yo pas d'accord avec question bouleka. Il y a pas d'accord avec question monde qui a détruit à fait monde, il y a pas d'accord avec violence hein, qui a exprimé, il y a pas d'accord avec façon négro. Et d'autant plus que il y a retrouvé que à l'intérieur de notre tête leadership mouvement, malgré des fragmentations de leadership, il y a estimé qu'il y a des individus qui occupaient des positions et prépondérantes dans cap mener mouvement, mais il y a estimé que journée jeudi en extérieur pas jouit de ce qu'on appelle yon crédibilité pour la simple bonne raison parce que l'ensemble des revendications populaires que l'extérieur a via là et bien entendu nek sa yo même yo petit yo à l'étranger nous tant des reproches ça yo fait en pile et gouvernement utiliser ça contre nek yo elle dit yo petit nek yo a bien mené à l'étranger il a bien bagaille ici là les nek yo malade à l'étranger il y a prend soin c'est-à-dire nek yo pas vraiment bon intérêt yo pas vraiment négocier à faire bagaille à faire à mener en bataille pour yo capable enrichir tête et puis prendre soin madame yo petite yo qui à l'étranger parce que yo pas aucun intérêt vraiment yo pas aucun attachement pour pays d'Haïti yo pas fait pays à confiance alors que yo dit à défendre le peuple haïtien qui lui-même peuple là lui-même dans lui-même il est petit il est dans pays pas à l'école parce que le pays a bloqué petit yo pas à l'école pendant ce temps petite opposant au dirigeant opposition en majeure partie là-dedans yo même yo est petit yo à l'étranger qui parle l'école pendant ce temps petit peuple là il a décidé pour peuple là lui-même il a bloqué question l'école là pour peuple là petit qui parle l'école. En fait ce sont tous ces éléments là qui mettent l'opposition dans une situation extrêmement difficile pour arriver à coucher résultat de ce qu'on a qui consisterait bien entendu à exiger le départ du président de la République. Maintenant faut nous remarquer que il y a un bagage qui que m'bala toucher là, c'est que échec mitigé ça que Négoïs compté au cours de deux ans, de plus de deux ans et quelques mois là en Haïti, capable dit que li Négo non moment pour faire une sorte de évaluation. Une sorte de bilan, yo évaluer Jean-Yap Bataille, yo évaluer bien entendu côté bon, li prend en otage à travers ses différentes pratiques, ses méthodes que la bataille là, li prend en otage ça relé la population haïtienne par rapport aux différentes activités économiques, activités sociales et le fait que tout monde petit monde le peuple pas à l'école. Et nous capable garder que dans ça l'opposition hein, rivé dans situation côté que li manquait et ça nous était capable de dire non seulement représentativité li manquait dans question division au niveau bien entendu li manquait unité au niveau de du leadership li manquait question et par rapport avec méthodologie et approche qu'a fait c'est-à-dire un problème d'approche qui posait qui fait que journée aujourd'hui toute approche qui fait yo gagne une sorte de bien entendu et ça qui expliquait journée aujourd'hui hein tout problème que opposition hein a confronté. Maintenant à partir de ce constat qui opportunité opposition capable gagner pour le saisir pour repartir sur de nouvelles bases et puis pour qu'on y a maintenant mener bataille en l'autre façon. Maintenant nous identifions gros problème de fragmentation qui posait à l'intérieur de l'opposition. Puis un deuxième problème de méfiance qui posait par rapport avec différentes fractions dedans et noté ouais scandale qui était passé au niveau bien entendu entre là et différentes représentations qui t'a fait les nègres unis dans l'hôtel Marriott côté que en pile militant et envahi pour faire comprendre que bagage ça fait on pas tête mais pas jamais descendre dans la rue à manifester un jour et ça c'est un plus grand problème que nèg yo dans mouvement c'est que je ne dis pour nous que gon problème de gon approche élitiste du mouvement qu'a fait c'est-à-dire que il y a des individus qui à aucun moment
pas retrouver dans la bataille du peuple, mais tout simplement, il y a tant le moment pour être capable d'émerger de tête pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui chita quelque part, ils n'ont pas vraiment de problème, puis tu as l'école à l'étranger, ils n'ont pas senti vraiment qu'il y a un problème direct avec le peuple, et ils n'ont pas identifié le problème du peuple, mais tout simplement, ils ont récupéré le problème du peuple pour faire valoir prise de position par eux. En même temps, c'est intérêt personnel qu'ils ont défendu, c'est-à-dire ils sont à la conquête du pouvoir par le fait qu'eux-mêmes, à un certain moment, ils n'ont pas qu'à prendre pouvoir par voie électorale parce que le peuple n'a pas fait confiance, le peuple n'a pas choisi, mais ils ont profité, bien entendu, de cette crise politique pour qu'ils soient capables de profiter de situation ça pour émerger bah, ce qu'on a pas à faire la transition pour ne pas prendre pouvoir pas, sans pas passer par élection. Effectivement, c'est l'argument que le régime politique, là, le pouvoir PHTK a avancé pour le capable, bien entendu, et discrédibiliser Nexa. Et il faut avouer que Nexa a ouvré les Nabgade, ça s'est passé dans Mariotte. Là. Nous parlons que la majorité qui est dans Mariotte, là, 90% qui est dans Mariotte, ce n'est pas nous qui sommes dans la rue. À part de Yuri Latoti, sénateur Yuri Latoti, nous sommes dans la rue à manifester. Nous parlons que des gens qui sont en dedans, qui parlent jamais dans la rue à manifester. C'est là des 90% moun ki te chita en dedans Mariotte là qui t'a prend prise de position bien entendu qui t'a écrit document ça au nom du peuple haïtien le peuple souverain. Il faut dire que l'ensemble des stations pas jamais prend la rue pour manifester, pas jamais descendre dans la rue beaucoup de peuple là, pas jamais camper derrière une barricade, pas jamais descendre. C'est-à-dire que gagnon gros problème de d'identification et de représentation qui fait, c'est-à-dire que moun sa yo une fois de plus ces élites politiques et sociales y ont montré une fois de plus que c'est pas vraiment travail peuple à fait. Et puis le cadre en soi voyons gros message symbolique by peuple là pour montrer peuple là pour qui fait peuple là qu'à comprendre que ça n'a pas d'intérêt. Ou imagine, ou mène une bataille pour le peuple. Et puis, on dit que, bon, de toute façon, il fallait que bon travail qui fait. Et puis, on choisit Mariotte. On choisit Mariotte comme lieu, comme espace pour le chita, pour réfléchir, pour produire un document qui pourra prendre en considération le peuple. Mais il ne faut pas oublier Mariotte, peuple haïtien, pas qu'elle n'a Mariotte. Malheureux haïtien, pas qu'à le descendre dans Mariotte, c'est-à-dire qu'on problème là, le lieu en soi n'est pas neutre. Le symbolisme et le symbolisme derrière, il n'est pas neutre, il n'est pas simple. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? So, basically, il faut comprendre que situation ça, il n'est pas aussi évident. Il n'est pas aussi évident parce que peuple haïtien, hein, pendant un certain nombre de temps, non seulement pour avoir l'émergence d'une nouvelle classe politique, pour avoir un renouvellement du personnel politique, là, on a regardé des nouveaux leaders politiques qui ont émergé dans les différents coins en dedans, mais aussi pour avoir un gros problème de migration, pour avoir un gros problème intergénérationnel qui va le poser, conflit entre générations, parce que on sait que nous sommes en dedans classe politique là, qui toujours comparent au petit monde des affaires. C'est eux-mêmes, c'est qui vous parlez, si vous avez la voix au chapitre, toujours les mêmes têtes, et problème ça a posé, je vous dis, on n'a pas créé espace pour favoriser l'intégration jeunesse, la diaspora, c'est-à-dire pour politique d'exclusion, bien entendu, qui fait que je vous dis, dans la bataille, ça a fait là, on sait qu'on ne peut pas retrouver à travers ça. Et ceci est extrêmement fort, extrêmement difficile, je vous dis, pour être capable d'expliquer. Je ne veux dire pour qui raison que l'opposition haïtienne n'a retrouvé dans une situation extrêmement difficile pour capable accoucher résultat que le terrain a accouché. Et deuxième, un bon autre élément que va toucher avec nous, c'est ce qu'on appelle allégeance, monsieur. Allégeance, leadership, opposition. Là, on va parler de cap et de you dans bataille cap dio cap bayo l'autre. Maintenant, il y a un bagage qui attire l'attention paquet de monde et qui vient au niveau médiatique et au niveau des réseaux sociaux pour affecter leadership, réseau et leadership et opposition. C'est le fait que yo fait comprendre que les opposition yo pas qu'à mener manifestation, yo pas qu'à faire manifestation pour y aller directement devant l'ambassade américaine. Ça sont éléments extrêmement importants pour nous prendre en considération.
Parce que il y a deux monde dans l'opposition qui t'a fait le déplacement à travers manifestation qui t'a arrivé devant l'ambassade américaine qui c'est Moïse Jean-Charles avec et Abdi. Alors que nous parlons que tout notre négio, c'est problème méthodologique à utiliser là. Tout l'autre négio, il y a des gens qui commencent à avoir des suspicions, il y a des doutes qui ont plané. Pour qui raison? Majorité nèg dans le leadership, quand on dit que manifestation pour arriver devant l'ambassade américaine, ils ont estimé que nèg ça au peuple pour aller devant l'ambassade américaine. So, ça laisse planer des doutes. Il y a des doutes qui ont plané sur nèg ça, parce que, écoutez, pour qui raison nèg ça a dit à défendre le peuple? Yo leader, yo c'est leader pour peuple haïtien. Pendant ce temps, quand il s'agit de manifester, oh, en pile moun journée yo diyan à travers les médias, les réseaux sociaux, veut faire comprendre que Washington joue un gros rôle dans kembe pouvoir, dans kembe régime, dans kembe Jovenel Moïse au pouvoir. Nous les différentes notes que l'ambassade américaine soutient, nous les différentes visites. Dites que les officiels et diplomatiques américains font en Haïti depuis commencé, bien entendu, sous congressman, US congressman, sénateur et Marco Rubio, ou passé par David Hale, nous tombons dans Madame et Kraft, nous tombons dans tout le monde, ça, ou toute représentation, toute visite ça en Haïti, vient laisser, bien entendu, des doutes à planer sous. Sur opposition, il y a des gens qui même fait connaître que Nexa ou ses petits ont gagné à l'étranger, au peuple, pas vous, et petit à tout, qui mounet qui gagne code long, qui gagne ses dossiers de drogue, qui gagne dans le leadership, dans la tête opposition, qui gagne du conseil, yo gagne gros dossier, au peuple américain, pas mari, au peuple américain, pas. C'est-à-dire que mon gros problème qui posait au niveau du leadership, c'est si Jounen Yodia, on est conscient que c'est Washington qui gagne Jounel. Et opposition mandé la bataille pour le voir Jovenel aller. C'est-à-dire que Jovenel t'a supposé aller déjà. C'est-à-dire que mais c'est Blanc qui kembe Jovenel à travers corps groupe. Et nous, que opposition, leadership opposition, yo paix d'après ça qu'a dit, d'après ça que qu'a véhiculé à travers les réseaux sociaux, n'est pas vraiment capable d'apparaître pour mener une manifestation, pour revendiquer Douayo, pour faire manifestation faite au niveau de devant l'ambassade américaine, pour porter l'ambassade américaine comme principal responsable qui fait journée à Jovenel Moïse là toujours. Maintenant, est-ce que reproche ça yo fait nèg yo, est-ce que le fondé? Bon, écoutez, il est vrai que nous pas capable mentir sous lit nèg yo gen famille aux États-Unis gen nèg tout qui gen des problèmes la plupart d'entre yo que même les nous pas capable prouver la plupart d'entre yo gen des problèmes avec ambassade qui des problèmes avec américain pour des dossiers de drogue gagne tout yo accusé qui dit c'est nèg ça gen bien yo gen ca yo gen bien américain ca frise à cette nèg yo gen nèg tout yo dit que si nèg yo paraît tête devant bagage il a coupé visa et nous comment et sénateur donne lui même t'ai exprimé lui à travers bien entendu prise de position de gagne LT fait vidéo pour te dénoncer bien entendu question visa ambassade américaine. C'est-à-dire que journée aujourd'hui ensemble d'éléments ça yo l'on prend yo together l'on mette yo ensemble mettez fragmentation division qui gagne alors mettez problème de et méfiance qui gagne entre nèg yo mettez problème qui gagne en termes de représentativité à l'intérieur de leadership là c'est-à-dire pour mise en place de ensemble de et commission pour mise en place ensemble de réunion qu'a fait yo et là nous prend problème de méthodologie qui existait en termes de méthode de bataille les nèg yo dit nous même n'a fait pas ça nous va devant man nous va devant ambassade nèg dit nous pas parler devant ambassade dans manifestation qu'a fait ou l'ennemi qui pas d'accord sous Jean blocage et barricade fait gen moun qui veut petit à l'école yo dit faut quitter petit à l'école gen moun qui pas d'accord pour petit moun à l'école en plus là nous mettez tout problème approche ça ou mettez sous Jean batamené et d'autre part pour nous ajouter avec les nous ajouter avec éléments ça nous ajoute question et allégeance là qui posait par rapport à et gouvernement américain alors que leadership opposition connaît bien à l'intérieur de l'opposition journée jeudi toute bataille menée toute bataille la menée peuple après pour Jovenel aller mais yo rendu compte que c'est Washington qui kembe Jovenel avec groupe quoi qui kembe Jovenel qui fait Jovenel là toujours
Et nous, ouais, je ne dis pas qu'un pile nèg dans l'opposition, il y a une difficulté dans le leadership opposition, prise de position américaine. C'est-à-dire que prise de position Washington, capement des dialogues, capement des plus chita avec et Jovenel Moïse pour un gouvernement de consensus. Journée aujourd'hui, n'est-ce pas qu'à réagir face, ça montre l'incapacité n'est-ce pas pour réagir face avec position américaine qui mandait ces chita américains clair sous dit Jovenel pas font pas, c'est un gouvernement de transition, un gouvernement qui pour là, qui pour assurer, qui pour débloquer pays. Maintenant, opposition déjà, tu es sorti un document de Mariotte, là, un document de Mariotte, ça, côté que tu as dit clair que tu as exigé de part Jovenel Moïse et tu es prêt pour mettre un gouvernement de transition après le départ de Jovenel Moïse. Or, le gouvernement américain, ni même, li clair sous lui, l'administration Trump, clair sous lui que Jovenel Moïse n'a pas fait. Yon pas. C'est un gouvernement qui vous fait. Gouvernement ça a pral gagner dans tête li bien entendu je peux choisir yon moun nan opposition là mes chers amis nous ka comprendre pour qui raison l'opposition journée aujourd'hui tombe dans échec tombe dans discrédibilité l'opposition pas ka accoucher revendication peuple là opposition leadership opposition pas ka bay résultat ensemble de éléments ça yo là je l'identifie là. Surtout, je ne vais pas parler de stratégie de bataille ni comment régime PHTK, pouvoir PHTK bataille. Je ne vais parler de ça, je vais faire une analyse, une étude d'opposition pour montrer qui problème opposition gagne. Et mettre en évidence quelques faits, quelques éléments qui montraient difficultés, qui à la base, qui cause difficultés opposition gagne pour accoucher sa relais résultat, yo escompté. C'est-à-dire que je dis, ensemble d'éléments, ça aucun identifié, qui ne doit pas exhaustif en soi, mais yo joué un rôle déterminant dans la question pour qui fait que l'opposition haïtienne n'a pas kabay résultat yo escompté. Maintenant, est-ce que, bien entendu, et fragmentation, méfiance et problème de représentativité, problème de légitimité, méthodologie, approche avec question allégeance, est-ce que bagay sa yo constitue de véritables éléments pour pas analyser échec opposition? Eh bien entendu, je dis, moi-même, de par analyse PAM, de par observation PAM, de par constat que fait. Et pour me terminer, il y a un discours qui a prôné là, qui fait comprendre que l'opposition haïtienne n'a pas vraiment une allégeance par rapport au peuple haïtien. Pour qui raison? C'est aux causes Dimitri Vob qui a défendu. Alors que, bien entendu, il est vrai que depuis que le mouvement a commencé, on considère que Dimitri Vob et Reginald Boulos, ce sont deux créanciers majeurs dans la question et financer mouvement manifestation qu'a fait à travers et dans l'arrière. Bon, est-ce que, bien entendu, je dis, lorsque le gouvernement, le régime PHTK a monté, il a attaqué et se génère en justice, et puis, sortant de la tour, il a reçu Central Varoua qui va venir causer un pile problème et juridique et judiciaire. Ceci étant dit que, jour et jour, est-ce que nous avons une problématique? Est-ce que l'instrumentalisation qui est faite, bien entendu, est-ce qu'il y a une possibilité de l'instrumentalisation qui est faite du système judiciaire, de la justice haïtienne, contre, pour ne parler de persécution politique? Bon, ou bien, à partir de là, pour qui raison, jour et jour, les différents individus, leadership opposition haïtienne, non? Pour la plupart, là, qu'on n'y a pas entré dans la dynamique pour défendre cause du peuple haïtien, encore qu'on n'y a pas défendre cause sojénaire. Pas défendre clair sous lui, parce que il y a un gros problème qui posait. Le problème qui posait, c'est que il y a une fragmentation de cause et il y a un problème de priorité qui posait. Est-ce que, jour et jour, bataille là, pour le résumer avec bataille sojénaire, ou bien bataille
Cap mener là son bataille qui pourrait résumer pour cap mener pour voyons système aller pour permettre à ce que population haïtienne condition l'améliorer pour venir un système qui là pour servir intérêt peuple haïtien. Et c'est un autre problème qui posé là. Parce que tout le monde commence à rendre compte de position haïtienne dans journée aujourd'hui, surtout à travers les réseaux sociaux, surtout à travers les prises de position, à travers bien entendu bataille ça qui fait qu'a fait là avec ce génère et l'état haïtien. Moun yo pran nan yo compte que c'est pas vraiment bagaille peuple haïtien t'a réglé. Parce que quand y a la journée jodi an, gen pile moun nan opposition qui commence à paraître tête yo pour y a défendre. Pour y a défendre cause sojene. Maintenant est-ce que cause sojene a son cause qui doit interpeller tout le monde? Écoutez, si c'est l'état haïtien, si c'est la justice qui a fait travail, mais il y a des problèmes, des persécutions politiques, ok, nous sommes capables de dénoncer, il y a des instances, il y a des structures qui sont là pour ça, il y a des unités de droit de l'homme, des organisations qui sont là pour là, il y a ce général, il y a un avocat qui peut défendre tête lui. Maintenant, sur question juridique qui est une question de droit qui posait, il y a défendre tête au niveau du droit de la justice haïtienne. Là, pour l'expliquer aussi, est-ce que le leadership haïtien, non, l'opposition haïtienne, doit prendre cause ça? Pour le faire passer pour cause populaire, pour le faire passer comme revendication de masse. M'pa kwè que jounen jodi an, peuple haïtien, 99% peuple haïtien, qui te retrouvé à travers bataille peuple là, à travers bataille qui t'a mené opposition, t'a mené yo là pour te faire comme si paraître comme moun ki jounen jodi an, k'ap défendre droit peuple haïtien, jounen jodi an, est-ce que c'est pas doux et pas cause sojenère? Que nèg yo ap chiffre. Est-ce que pas gon shift qui fait en cause pour nous sortir dans cause peuple haïtien dans l'intégralité pour nous tomber dans cause tout à fait particulière qu'on y a c'est pas bagay peuple qui a réglé qu'on y a c'est un bagay intérêt mesquin un groupe une catégorie individu qui t'a joui l'argent et sojenère qui t'a joui l'argent dans contrat juste qui dépassé et puis qu'on y a là nous peuple là rété pour compte li et puis qu'on y a ces bagages sojenère qui t'a réglé. Est-ce que ça yo genre de situation ça pas révélatrice de un gros problème qui posé un problème de cause légitimité cause bataille leadership bataille opposition à mener. Et faut moi-même conseil d'abaille opposition moi-même à partir de ça fait faut faire très attention pour pas quitter cause peuple haïtien pour y épouser une cause qui ca vienne montrer permettre de pointer au du doigt pour dire bon nèg ça c'est pas bagaille peuple vraiment ou t'a réglé c'est bagaille secteur petit groupe nèg c'est bagaille gang mafia petit groupe nèg qui t'a bénéficié de l'argent dans mes sojenaires c'est gros intérêt parce que yo connaît Dimitri Vob Pacha Vob fait partie de ça ou les et board et comité directeur de famille Lavalas est-ce que bagaille ça pas un gros intérêt qui en jeu là. So basically mes chers amis, c'est premier édition m'ta fait sous ça sous vidéo à travers vidéo ça m'ta soulevé question problème qu'il y ait par rapport avec difficulté et échec mitigé que opposition haïtienne est compté là par rapport bien entendu à un ensemble d'éléments que m'sont identifié m'sont analysé avec nous pour nous être capable comprendre bien entendu et bâti que élément ça m'identifie à que yo exhaustif mais ça n'empêche pas pour autant que nous capable servir avec yo pour yo capable gagner compréhension bien entendu qui explique raison journée aujourd'hui qui fait que opposition pas arrivé bien entendu accoucher résultat il était supposé accoucher qui consiste à envoyer Jovenel aller et puis accoucher un gouvernement de transition mettre un président en place pour faire élection et puis pour accoucher un nouveau régime et puis chambre de système. Eh bien mes chers amis, c'était avec nous bien entendu Chérisé Lavoisier Junior, nous connaît qui commençait avec série ça ou même qui t'a regardé vidéo ça, nous gain l'autre vidéo encore parce que c'est une série n'a développé, nous invitons pour subscribe dans channel ça et pour subscribe pour et puis pour l'autre nous monter encore pour l'autre gain vidéo pour capable toujours notifier, pas oublier subscribe dans channel ça, c'est channel Paola pour nous capable continuer avec série ça que nous commençons. Passez bon après-midi à une prochaine édition.